Vision politique d'un astronaute. J'ai enfin percé le mystère qui bien plus d'un homme exaspère. Ce dilemme sans résolution, celui de la séparation, c'est qu'il y a peu de Québécois, pas même notre Pauline Marois, qui foncerait vers Canaveral, faire un tour de navette spatiale. Mais une fois sur place dans l'espace, on verrait l'instant d'une extase. Notre territoire canadien, comme l'imaginait Jean Chrétien, c'est-à-dire sans toutes ses frontières, invisible de la thermosphère, sans du Sepp Bouchard Parisot. Bon Dieu que là-haut c'est si beau, comme Marc Garneau dans le cosmos. J'estime que je n'ai plus de raison de cacher que j'ai pas assez de gosses, de taire que je voterai non. Qu'y a-t-il de mieux pour nous autres que les paroles d'un astronaute, qu'une révélation politique, qu'une authentique vision cosmique, convaincons nos pauvres indécis qui oscillent entre non et oui. Rapprochons-les donc des étoiles, qu'enfin ils voient l'universel. Argumentons donc tous ensemble, allons là où la terre tremble, sous le poids des pas militaires qui patrouillent au bord des frontières de l'État de la Palestine, où hommes, femmes, enfants crient famine. À ce beau principe sans pareil, certes il ferait la sourde oreille. Mais il y a encore bien plus chien, c'est que l'astronaute canadien voit pas que son merdier d'arguments conduirait au démantèlement de notre grand pays souverain, celui de tous les Canadiens. Nous vois-tu avec un pays qui s'étendrait jusqu'au Chili. Ainsi revenu des nuages, on voit qu'il n'y a rien de sage dans ces conséquences abyssales où s'enfonce notre pauvre libéral. En tant que professeur de philo, je lui colisserais un gros zéro. Je lui dirais ipso facto, je voterai pas pour les libéraux.